Bonjour, Jean-Michel. Ce soir, elle chantera dans un bar select de la ville pour espérer décrocher un contrat à l'année. Pour décompresser avant ce grand rendez-vous, elle a décidé de partir en mer. Le lago de Tamarin, qui est la barrière, s'arrête à la gauche. Là, on voit les vagues défiler. C'est un spot de surf depuis renommé. Surtout en hiver. Le lagon de Tamarin, à l'ouest de l'île Maurice, est l'un des spots les plus prisés des touristes. Niché entre les montagnes, ce petit coin de paradis offre une vue exceptionnelle sur toute la côte. Et là, je commence à flipper, là, parce que je vois plus le... Je vois plus le fond. On voit même plus les coraux, donc. Anastasia a toujours vécu à l'île Maurice. Le petit plaisir qu'elle va s'accorder ce matin est une activité très typique de son pays. Nager avec les dauphins. Donc là, ils sont très très calmes et là, il faut en profiter. Ils sont sympas là, parce que là, vu qu'on les voit souvent tous les jours, on peut se jeter à l'eau. Quoi. Non, ils sont juste là, là. Ouais. Anastasia ne tient plus. Il est rare de voir autant de dauphins. Aujourd'hui, ils sont plus de 50 à venir jouer et se reposer dans ce lagon. Faut surtout pas les toucher. Ça, c'est interdit par la loi. Dès qu'on le touche, ça change de comportement. On n'a pas le droit de donner à manger, nous? Non, on n'a pas le droit de donner à manger, justement parce qu'ils sont en liberté. Allez, on se prépare, on met le masque. On y va, go. Le spectacle est impressionnant. Il fait la joie d'Anastasia et de sa sœur, mais aussi des tour opérateurs locaux. Il est à peine 8h du matin et une dizaine de bateaux de touristes quadrillent déjà le secteur. Je suis super heureuse d'avoir vu ce spectacle. C'était magnifique. Il faisait qu'un avec la nature. Même si c'est pas notre habitat en bas là-bas, mais c'était magnifique. Anastasia nage en plein bonheur. Pour clôturer en beauté l'excursion, le guide emmène les filles sur l'une des plus belles plages du pays. L'île aux bénitiers, un véritable havre de paix. Ah, trop sympa. Un petit commerce et tout. Cette plage idyllique est un refuge naturel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, tout le monde s'active. Bonjour. Merci. La plage des Bénitiers est l'une des dernières à ne pas avoir été envahie par les grands complexes hôteliers. Ici, seuls les petits commerces ambulants sont autorisés. Merci, c'est gentil. Alors là, je prends mon pied. C'est juste délicieux. Mais à 3 heures de montée sur scène, Anastasia n'a qu'une idée en tête, s'entraîner à chanter. Loin de son répertoire moderne, c'est avec un chanteur de Sega, le chant traditionnel mauricien, qu'Anastasia fait le plein d'énergie. Ça fait comment? Merci. Ah, Grégoire. Anastasia. Enfin, Grégoire. Judex Grégoire. Tu as un truc du genre Stand By Me, quelque chose comme ça? Be your friend, you I want. J'arrive pas à m'empêcher. J'aime bien en fait parce que je prends toujours d'expérience de tout le monde parce que regarde, lui il est là. C'est pas forcément son répertoire, mais il va quand même le faire. C'est un vrai musicien. Ça fait de lui un vrai musicien. Africaine.